Bonjour, aujourd'hui donc on va voir trois petites astuces sur Excel. Donc la première donc on va remplir ce tableau égal alia. Pour faire ici des chiffres aléatoires, multiplié par seconde par exemple, j'appuie sur CTRL entrée, copier, correspondre à sa valeur, donc il va donner ces chiffres là. Donc je vais éviter de supprimer les virgules, donc je mets CTRL H, je mets ici virgule étoile et je remplace donc ceci par remplacer le tout. Voilà, donc elle a remplacé tout. Ok. La deuxième des astuces, c'est ce que je vais recopier ceci et je vais faire donc des formules, par exemple comme ça. Ok, je vais donc localiser ici les formules. Là où il y a des formules, je vais le localiser ici. Donc j'appuie sur accueil, mise en forme conditionnelle, gérer. Voilà donc ici, nouvelle règle, utiliser ici. Donc dans cette plage, la cellule active, donc ici c'est C14, ici. Je mets donc égal et formule. Je vais la parenthèse, je mets C14, c'est-à-dire la cellule active ici. Et je vais donc la colorer avec cette coloration. Okay. Donc voilà, il est coloré ici par l'orange parce que peut-être tous ces chiffres-là sont des formules. Si je mets par exemple comme ça, voilà donc, si je supprime ou bien un texte, voilà. Si je remets ça, je remets la formule, la coloration. Donc là où il y a des formules, c'est coloré. Là où il y a un texte ou bien une constante, c'est coloré avec la coloration. La troisième astuce, donc ici, cette flèche-là, je peux double-cliquer. Choisis ici masquer automatiquement le ruban et voilà, donc le ruban se masque automatiquement. Lorsque nous en besoin, je clique ici, voilà, et je prends par exemple tout ce que je veux ici. Voilà, par exemple, je reviens à chaque besoin, donc je clique ici. Ok, si je veux ramener ça, j'appuie sur ici et je peux faire comme ça, et bien comme ça. Comme ça. Ok, à la prochaine donc, n'hésitez pas donc à mettre des j'aime ou bien à vous abonner sur notre chaîne, c'est important, ça nous encourage un petit peu.